mon amour. Qu'est-ce que tu fais ici et comment est-ce que tu m'as trouvé? Bien. La fois passée, notre amour marche très bien. Ça marche bien qu'on est si bien. Amaka, qu'est-ce que tu veux? Parce que je veux être à tes côtés. Et moi, je ne veux pas être à tes côtés. Comment est-ce si difficile pour toi de comprendre cela? Obiora, donc après avoir pris ma virginité, tu ne veux plus être avec moi? Ça serait jamais possible et tu le sais bien. Pour ne pas avoir du tout le venin de mes parents. Le mieux, c'est de commencer à comment venir m'épouser. On le sait tous que tu as fait couler mon sang. Mets ça dans ta tête. Tu m'as écouté, garde ça bien dans ta petite tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je me suis plongé dans tout ça d'ailleurs? Comment? Père, c'est fini. Je crois qu'il est grand temps pour nous d'oublier cette terre et de passer à autre chose. Je suis sûr qu'elle est furieuse à cause de ce qui s'était passé hier. Donnons-lui juste quelques temps. Je crois sûrement que tout va bien se passer. Tu as l'air de ne pas me comprendre, père. J'ai dit que je suis complètement en dehors de ce problème de terrain. Ça ne marche pas du tout. Essayons juste de passer à autre chose. As-tu perdu ta tête ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu t'entends parler vraiment? En dehors de quoi? Es-tu malade? Que veux-tu dire par es-tu malade au juste? Comment au juste veux-tu que nous puissions faire? Qu'avons-nous pas fait pour avoir ces terres? Elle a volontairement refusé de nous donner ces terres. Que veux-tu donc que nous fassions? Oublions juste ces terres et avançons. Ça n'a pas marché. Le plan de faire en sorte qu'elle me fasse confiance n'a pas marché du tout. Pourquoi ne pas juste oublier ces problèmes de terre? Oh fils, écoute-moi. Il doit y avoir un autre moyen. Papa, peux-tu juste garder ce mensonge pour toi? Ça ne marche pas avec moi. La terre ne marche pas du tout. Elle ne va pas nous la donner. Elle nous l'a fait clair. Que veux-tu nous fassions de la tuant? Très bien, laisse-moi te choquer. Elle accepte même jusqu'à la mort qu'elle n'est pas du tout prête de nous donner ses terrains. Peu importe la raison, il aura toujours une solution. Laisse cette fille tranquille. Excuse-moi, c'est à moi que tu parles de cette manière? Ta tête ne fonctionne pas bien. C'est à moi que tu parles comme ça. Parle, c'est à moi. Je suis... Désolé père, c'était pas mon intention. Ah, je vois. Je vois. Père, je t'en prie. Je t'en prie. Cette fille est aveugle. Elle est sans défense. Et elle est toute seule. Est-ce qu'on peut juste oublier un peu ces terres et nous procurer n'importe quelle terre de notre choix, n'importe quelle localisation? Très bien, fils. Tu y es déjà engagé. Je jure sur ma vie que tu es tombé amoureux de cette femme aveugle. Oh, n'est-ce pas? Parce que ça va être très hilarant. Oui. Et qui a-t-il d'hilarant dans tout ça? Ne me dis pas que tu trouves pas ça hilarant. Parce que je le suis. Mon fils et la femme aveugle. Oh mon Dieu. Écoute, si ça arrive... Très bien, laisse-moi dire quelque chose. Attends. Tu parles comme si c'était vrai. Quoi? C'est une chose terrible. Une chose inexplicable, imaginable même. Le prince du royaume où m'était mon fils avec une aveugle. Qu'est-ce que tu veux que les gens disent? Tu ne serais pas en train de dire que la prochaine première dame d'où m'était serait une aveugle? Bien sûr que c'est ce que les gens vont dire. Peu importe comment est-ce que les gens vont dire. Parce que nous savons très bien que ça ne va pas arriver. Jamais. Ça va te choquer que ce que tu considères impossible peut bien être possible. Et qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Que ce que tu considères comme impossible est possible. Qu'est-ce que tu veux juste dire? Qu'ai-je bien entendu? Tu m'as très bien entendu. Ah, je vois. Je vois. Maintenant, lis sur mes lèvres, père. J'aime cette fille. Je resterai près d'elle. Et je vais me battre pour elle. Es-tu malade? Es-tu en train de perdre tes sens? Comment oses-tu?
Comment oses-tu insulter l'héritage que j'ai souffert de les construire comme ça, souffrant? Comment oses-tu? En fait, ta tête ne fonctionne pas bien. Cette histoire n'arrivera jamais. N'importe quoi. Je suis désolé, père. Je ne voulais pas t'offenser. Je ne fais que te dire la vérité. Et de quelle vérité que tu veux me parler? J'aime. Et ferme-la. Ferme ta bouche et ne répète plus ça. Qu'est-ce que tu connais à propos de l'amour? Je t'ai envoyé ces 7 filles pour que tu obtiennes les documents. Et tu es venu ici pour me parler de l'amour? Maintenant, écoute. Si j'entends encore ces mots vénères de toi, redis-les encore. Et je vais t'accrocher à mon bras. Comment oses-tu? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu ne demandes pas à ces chiens qui essaient de nous déshonorer? Quoi? N'importe quoi. Et c'est quoi la chose que les femmes font pour garder leur mari? Quelle chose que les femmes font pour faire revenir à la raison un homme? S'il y a quelque chose que tu peux faire, je veux que tu le fasses avec cet homme parce que je suis sur le point de le tuer. Je veux t'arracher le cou et je vais donner ta tête en sacrifice dans le grand temple de la Masco de la mort. C'est ce que je ferai. Sa Majesté. C'est quoi ça? Je vais te... J'ai envie de te strangler. Je vais te tuer. Comment oses-tu? Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Tu as réussi de me mettre hors de mon état d'esprit. Alors, je t'avertis, tu dois trouver un moyen de revenir à la raison. Au cas contraire, tu sauras exactement ce que ça veut dire de vivre avec un homme mauvais. Tu sauras exactement ce que ça veut dire de vivre dans la confidence avec un mauvais roi. Je vais te tuer! N'importe quoi. Très bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Sa Majesté? Papa, c'est quoi le problème? Tu es vraiment très belle. Extrêmement très belle pour tout ça. Mais je suis désolé. Alors? Je suis désolé. De quoi es-tu désolé? Pourquoi tu t'excuses? Je suis vraiment heureuse pour cette nouvelle. Donc, tu veux me dire que tu as mis le prince hors de ta maison? Il ne va plus y retourner? Hey, j'essaie de tuer qui m'ajoute maintenant. Hey, tap. Ichie, qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive pas à comprendre cette timidité. Apparemment, je suis la seule personne qui est contente de cette nouvelle. Ichie, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec toi? Je vais m'allonger. Tu veux t'allonger? Pourquoi? Idema, je n'arrive pas à voir à travers tes yeux. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je sommeille, je vais m'allonger. Je ne peux pas me rendre service. Je veux que tu m'aides à aller dans ma chambre. J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas habiter toute seule. Je ne trouve pas mon chemin. Peux-tu me guider vers ma chambre? Tu es en train de chercher l'aide? Je ne comprends rien. Tu es vraiment très belle. Extrêmement très belle pour tout ça. Mais je suis désolé.
Je suis désolé. De quoi es-tu désolé? Pourquoi tu t'excuses? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien du tout. Je n'arrive pas à comprendre. Cela veut dire qu'il a dû faire quelque chose. Est-ce que Olay Dubé veut m'apprendre quelque chose? Il a dû faire quelque chose d'inexplicable. Oh non, non, non! Tu n'as pas quelque chose à me dire par hasard? Excuse-moi, je n'ai pas le temps pour te bêtises. Réponds-moi, je te parle. Je n'ai rien à te dire. Je fais une réponse, réponds-moi. Je te parle. Je te parle. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi, tu m'as trompé? Je ne t'ai pas trompé. D'ailleurs, je n'ai jamais levé la main sur toi parce que notre mariage n'a jamais été légalisé. Alors tu n'as pas le droit de me poser ces stupides questions. Tu as payé ma dot, alors j'ai tous les droits sur toi. C'est comme si je savais que ce jour arriverait. Très bien. Dernière nouvelle. Mon père et Genzelo, ton oncle, a payé la dot, pas moi. Il y a une autre femme? Dis-moi, tu y es amoureux d'elle? Tu es en train de franchir la ligne. Et qui est cette fille? Il y a une autre femme? Tu y es amoureux d'elle? Il y a une autre femme? Tu as des sentiments pour elle? Oh! Tu vas me manger? Tu vas me manger? As-tu une autre femme? Dis-moi la vérité. As-tu une autre femme? Exact! J'ai une autre femme. Satisfaite. Je n'en disconviens pas, Naïm. Je ne comprends pas son humeur. Elle est juste allongée sur son lit et elle pleure. Et cela est arrivé juste après sa discussion avec le prince? Oh, je pense qu'elle a quelque chose à faire avec lui. Parce qu'elle est juste comme... Je n'arrive même plus à comprendre son humeur. Je vois. Naïm, c'est seulement à toi que je suis venue raconter tout ce qui s'est passé. Je pense qu'elle a besoin d'aide. Elle est en train de passer une période difficile. Elle a vraiment besoin d'aide. Ah! Avant que je te tape, qu'est-ce que tu lui as fait? Réponds-moi, sale bâtard! Qu'est-ce que tu as fait à la fille? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dis-moi, qu'est-ce que ta main touche mon fils encore? Tu es un homme mort. Comment oses-tu? Ça, c'est inévitable. Je suis prêt à mourir. Si tu n'arrêtes pas d'aller la voir, je veux te faire regretter. Chaque minute, chaque heure, chaque jour, tu amèneras le roi de ce royaume. Au bouffé. Tu me menaces, moi? Qu'est-ce qui t'est arrivé au juste? Pourquoi tu veux que je salisse mes mains avec ton sang, maudit? Je t'avais prévenu de ne pas blaguer avec Ijema. Je t'avais prévenu. Maintenant, je vais te montrer. Et même le roi
peut se sentir comme un paria dans son propre royaume. Je veux sortir la mascotte de la nuit pour qu'il danse au clair des lunes juste pour voler. Quitte ma maison. Dehors, dehors. Ne l'oublie pas. Que les divias qui maîtrisent comment soigner les maux de tête peut mourir avec des maux de ventre. Vous devez aller comprendre ça seulement quand la mascotte viendra ici. Sors d'ici, je m'en vais. Il semble que tu as un poids sur le dos, père. Qu'est-ce que cela est supposé signifier? Fais attention. Faire attention. Cet homme a utilisé toutes sortes d'étranges langages. Tu n'y as jamais rien dit. Et maintenant, tu me demandes de faire attention. Sa Majesté, c'est quoi le problème? Suis-je le seul homme que tu vois ici? Hein? Suis-je le seul? Je suis désolé, Majesté. Désolé. N'importe quoi. C'est à propos de cet aveugle. Son nom est Ijema. Une fille très décente du royaume de Mouété. Le plus tôt tu vas apprendre à respecter cela, le mieux ce sera pour nous deux. Excuse-moi. Ijema. Mmh. Ijema. Ijema. Hein, Naï. Finalement, tu es là. Oui. J'étais là avant. J'ai découvert le CV. Si tu es prêt qu'on en parle, hein? Pourquoi tu as envoyé Massi et Wei? Tu devais leur donner de rester à la maison jusqu'à ce que tu te réveilles. Hein? Tu dois être seule. Naï, tu dois comprendre que je ne suis plus une enfant. En cela, Massi n'est pas mon garde du corps. Elle ne peut pas faire toute chose pour moi et à chaque moment. Même si je lui payais, je lui aurais laissé le temps de faire autre chose. Ça, c'est une autre parenthèse. Peux-tu, s'il te plaît, me dire ce qui ne va pas entre toi et le prince? Ce qui ne va pas? Oui. Rien du tout. Je lui avais juste dit de partir et ne plus revenir. Comme tu le voulais. Mais pourquoi tu lui as soudainement demandé de partir? T'a-t-il fait quelque chose de mal, du moins? Il n'a rien fait de mal. Je voulais juste ne plus le revoir. Ijema, tu sembles en train de pleurer. Je vais bien, Naï. Tout va bien. C'est du mensonge. Tu mens. Ijema. Naï, juste va-t'en. Je vais bien. Il n'y a rien de mal avec moi. Ijema, pourquoi pleures-tu? Ijema. Votre Majesté, je suis tellement trop confus, trop choqué. D'où est-ce que Ijema a eu les kilos de chasser le prince hors de sa maison? Elle n'a pas seulement chassé hors de sa maison, mais elle a même demandé de ne plus jamais revenir. Peux-tu imaginer cela? Et le fou est venu me le dire qu'il est amoureux de cette idiote femme aveugle. Je parle? Ça va créer la confusion. Qu'est-ce que le prince fait avec la femme aveugle? Qu'est-ce que le prince fait avec Ijema, la femme aveugle? Je ne sais pas si tu me le demandes.
Je ne sais pas si les dieux essayent d'utiliser ça contre moi, mais ce qui est certain, de mon vivant, je ne permettrai jamais que ça arrive. C'est ça. Jamais. Hey. Mais qu'est-ce qu'il y a de si bon à ça? Donc, elle connaît toute la personnalité d'un homme. Et il aime une femme aveugle. Écoute, Ego dit et tout ce qui reste, je ne sais pas quoi. Tout ce qui reste de son ego est vraiment le cadet de mes soucis. Je t'ai invité ici pour qu'on résolve le problème. Tu es l'homme que je connais, à qui j'ai tellement confiance. Qui peut me sortir de ces problèmes maléfiques? Je suis flatté, Votre Majesté. Maintenant, je pense que... une possible suggestion. Tu es en train de dire que tu n'as pas de solution à me donner. Une suggestion. Tout en sachant que je suis dans les besoins. Non, non. C'est juste... Ce que je dis est que... Oh, qu'est-ce que je veux dire? Je suis confus par beaucoup de choses. Exactement. Je suis aussi confus par beaucoup de choses. Même la réponse de chacun des personnes. Merci. Tu ne peux pas me passer comme ça, comme si j'étais une étrangère. Que veux-tu? Ton attention est bien sûre, ma meilleure amie. Tu as mon attention. Où tu vas? Bien. Depuis que tu as commencé à me parler à propos de Idiema, je vais me marier. Je veux juste inviter toutes mes amies à mon mariage. Excuse-moi, tu m'as bien écouté, je vais me marier. Comme d'autres invitations ne sont pas encore prêtes, mais vu que je vous considère comme mes amis, alors je vous invite officiellement. Amaka, félicitations. Bien, depuis que tu as décidé de passer toute ta vie à côté de Idiema, une femme comme Idiema, elle est juste en train de rêver. Je me suis décidée de me donner la paix moi-même. Avoir la même pensée avec toutes les filles du village. Qui est... chercher un mari. Pour toi, Maka. Pour toi, chercher un homme, c'est vraiment un problème, hein? Alors, Maka, il y a 1000 femmes dehors. Cherche comment contacter leur mari. Et... prends leur mari. Comme ça, tu vas te décider d'avoir une nouvelle obsession. N'importe quoi. Tu ne me demandes pas qui est l'homme en question. On va toujours découvrir. Tu feras le prêt d'autres et puis tu feras le suivi. Ok. Bien, je vais te le dire. Il s'appelle Obiora. Qui est Obiora? Je crois que tu m'as bien entendu. Oui. Qui est Obiora dont tu parles? Oh, mais pourquoi est-ce que ces filles ne veulent pas me laisser tranquille au juste? Mais que veut dire tout ceci? Pourquoi êtes-vous en train de punir comme ça au juste? Réponds-moi. En quoi ça te concerne exactement? Réponds-moi justement. Pourquoi es-tu si concerné à ce point? Réponds-moi! Exact, Masetchoukou, je vais me marier. Es-tu satisfaite? Avec qui? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Réponds-moi non, à qui? Je vais me marier avec Amaka. Quoi? Tu m'as bien entendu. Je vais me marier avec Amaka. Ah. Thank you.
Je ne peux pas croire que j'ai vraiment perdu cet homme. Je lui ai donné mon cœur pendant toutes ces années. Je ne peux pas croire que même Dieu m'a laissé être emporté par lui. Maintenant, il a pu me décevoir. Regarde-moi. C'est vraiment fini comme il avait dit. C'est une chose que je n'oublierai jamais toute ma vie. C'est vraiment trop dur, tellement dur. Et j'étais vraiment si bête en lui croyant que je resterai avec lui durant toute ma vie. Rester plus longtemps à ses côtés. Et il m'a justement blessée. Je suis une belle femme. Oui, je suis très belle. Et si Obiora a rejeté mon amour, je suis sûre qu'il y a un autre homme d'ailleurs qui est à la recherche. Parce que sans cela, je crois que même toutes les filles qui ont été blessées, elles ont aimé avec un amour sincère. Et il y a toujours une personne spéciale qui attend. Et par Dieu, nous méritons, peu importe nos blessures. Par l'amour de Dieu, je crois que je vais l'oublier bientôt. Et je ne crois plus penser à Umura. Parce que ça, c'est déjà le passé pour moi. Le prince aime Ijema. Mais la question est, si Ijema l'aime aussi, est-ce qu'elle l'aime aussi? Si c'est le cas, n'est-il pas la fin de ma commission? Quand je laisse ma porte ouverte, ne te donne pas le droit d'entrer sans pour autant toquer. Qu'est-ce que tu es venu faire exactement ici? Ichieze, je sais bien que c'est toi. Qu'est-ce que tu es venu exactement faire dans ma demeure? Toi, tu es insolente. Je suis l'un des anciens de ce royaume et je décide d'aller partout où je veux. Erreur! Tu te trompes, Ichieze. Bien sûr que tu es un honorable. Tu es libre d'aller où bon te semble. Mais tu n'es pas permis de foutre tes pieds dans la maison d'une autre personne. Et tu n'es pas non plus autorisé de foutre tes pieds dans la maison d'autrui sans pour autant frapper. Tu n'as pas ces droits. Souviens-toi que mon père aussi était un honorable avant son décès. Et ceci est sa maison. Ton père est mort. Mort. Est parti. Cela dit, je peux venir dans cette parcelle à n'importe quel moment. Ni toi, ni personne d'autre. En fait, toi, spécialement, ne peux rien faire pour ça. Oui, parce que tu es une femme. Tu es une femme et une femme aveugle. Je commence à voir tes aventures dans cette maison comme un embarrassement. Et je te demanderai de sortir si ceci ne s'arrête pas. Ichie, tu es au courant que les femmes de Umwete ont aussi leurs droits. Qu'est-ce que tu vas faire? En fait, fais ce que tu sens capable de faire. Faire quelque chose de mal contre moi. Je vais voir. Tu es aujourd'hui chez moi. Qu'est-ce que tu veux au juste? Juste une question. Une question seulement.
Et qu'est-ce que c'est? Es-tu amoureuse du prince? Je te demande pardon? Laisse-moi t'expliquer. Le prince de ce royaume a déclaré qu'il est amoureux de toi et il t'aime beaucoup. Alors toi? Le prince est amoureux de moi? Tu ne comprends pas? Ou bien tu n'arrives pas à comprendre les mots? Tu veux que je les reprenne? Tu dis que le prince est amoureux de moi. Comment? Le prince? Idiot. Mais pourquoi tu agis comme quelqu'un qui a perdu la tête, hein? Écoute, le prince a bien confessé solennellement. Maintenant, la question est de ton côté. Es-tu amoureuse du prince? C'est tout. Tu l'es? Idiema, je te demande, es-tu amoureuse du prince? Es-tu vraiment amoureux de cette femme aveugle? Ou bien c'est juste une petite lueur de sentiment qui s'est allumée pour quelques minutes seulement? De quoi parlais-tu exactement? Père, je ne suis pas un enfant. Je connais l'amour et je sais que ce sont des vrais sentiments. Et je te le dirai en tant que père et fils. J'aime cette fille. Alors dis-moi, et comment est-ce que tu as réalisé que tu es vraiment amoureux d'elle? À quel moment précis que tu as réalisé dans ton petit cerveau que tu étais tombé amoureux de cette fille aveugle? Dis-moi. Le jour même où elle a refusé un si grand chèque, c'est en ce moment que l'amour m'a envahi. Excuse-moi? Je ne voulais pas directement aller à des conclusions. J'avais besoin de beaucoup plus de temps pour être vraiment sûr de ce que je ressentais. Alors, père, je regardais plus loin et j'ai pu voir une reine à l'intérieur de cette femme. Tu es tombé amoureux d'une femme aveugle seulement les yeux que tu l'as vue pour la première fois. Mais ce n'est pas suffisant. Tu as cette témérité, cet affrontement d'aimer vraiment une femme aveugle, la reine du royaume où m'était. Voyons. Bien, considérant le fait que je ne la connaissais pas bien avant que je ne parte en voyage pour Londres, c'est quelques jours après que j'étais revenu que j'étais allé lui rendre visite. Je crois vraiment que j'aime cette fille, père. Est-ce que tu connais ce que tu dis? Bien sûr, père, je sais bien ce que je dis. Je suis tombé amoureux de Ijema le premier jour où j'ai posé mes yeux sur elle. Est-ce que tu connais la signification de l'amour? Tu es sûr? Bien sûr, père. Vraiment? Exact. Souviens-toi, tu m'as dit que tu es tombé amoureux de maman le premier jour où tu as posé tes yeux sur elle. Tu veux dire que tu n'étais pas certain de ce que tu disais ou tu ne savais pas ce que tu racontais en ce temps-là? Ilodibé, tu es en train de t'insulter quand tu me dis que tu es amoureux d'une femme aveugle. Comme si cela ne suffisait pas. Tu es en train de m'insulter en essayant de comparer cette femme aveugle à ta mère, ma femme, la reine. Laisse-moi te dire quelque chose. Ma femme, ta mère, n'était pas aveugle. Et elle n'avait aucune dispute avec mon père. Alors j'aimerais que tu mettes ça dans ton crâne. Toi et cette femme aveugle feront le futur ensemble. Si et seulement si que je suis mort, ça n'arrivera jamais. Je ne ferai pas une telle chose, père. Sache que tu vas vivre pour témoigner ce jour-là. Tu vas même le chérir. Tu vas le bénir. Tu vas même l'aimer. Je te l'assure. Tu vas faire vraiment un très mauvais roi. Un très mauvais que ça en a l'air. Mais je vais au moins faire un mari très aimable. C'est tout ce qui importe. Egodi, tu es vraiment un échec en tant qu'une femme. Tu es vraiment un échec. Excuse-moi.
fièrement que tu demandes. Oh. Oncle, qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça? Tu y as fait quelque chose de mauvais. Laisse-moi dire quelque chose. Tu n'es pas reconnaissante. J'ai fait toutes choses de mon pouvoir. Hein? D'être rassuré que tu entrais dans le palais comme femme de prince. Ah, et mais... qu'est-ce que j'ai reçu? Rien. Tu vois ce que j'ai reçu? Jusque-là, je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de mal. Tu as fait quelque chose de mauvais. Tu penses vraiment que tu as fait quelque chose de bon? Laisse-moi te dire quelque chose. Une femme qui ne peut pas garder son homme pour elle-même, c'est rien qu'une abomination à la féminité. Oui, la féminité va la rejeter. Itié, et c'est ma faute? Est-ce que c'est ma faute si les choses ne marchent pas entre le prince et moi? Ce n'est pas ma faute du tout. Hey, Ibiob. Non, c'est ma faute. C'est ma faute. J'ai une question. Tu as l'idée de celle qui n'a pas gardé le mariage? Non. Qui a brisé le mariage royal? C'est moi? Est-ce que c'est moi? C'est ma faute. Et voilà maintenant. Itché, je veux que tu saches quelque chose. Le prince ne me parle pas depuis que je suis dans sa maison. Répète encore. Je vous dis vrai. Tu veux? Il n'a jamais. Même pas pour une fois. Ouvrir tes deux jambes. Entrer, hein? Il n'a jamais essayé. Non, Itché. Je l'ai essayé à plusieurs reprises. Il ne m'a jamais touché jusqu'aujourd'hui. Quel gâchis de l'eau! Non! Quel gâchis de l'eau! Hein? Excuse-moi. Il part à Londres, mais il ne fait pas grand chose. Et vraiment, il a signé les papiers. Et ce qui me concerne, il est ton mari. Ah! C'est ton mari! Il devait le faire. Ce que je pense pour le moment est qu'il n'a jamais eu même besoin de me toucher. C'est ta faute. Écoute, c'est ta faute. Et je me demande comment. En clair, tu veux que je le force à me toucher? Même ça. Monte, force-lui de faire. Oui. Tu peux. Oui. C'est pour cela que le prince a choisi une femme aveugle qui ne voit pas bien que toi. Oui, tu ne sais pas. Une femme aveugle? Hey, tu la connais. Tu ne connais pas? Ton précieux amour a choisi Idema, la femme aveugle. Tu la connais? Oncle, comment ça peut être possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton précieux mari est tombé amoureux d'Idema, la femme aveugle. Oui! Et là, tu vas dire, et tu sais quoi? Elle est aussi amoureuse de lui. Elle l'aime. Laisse-moi te dire quelque chose. Je lui ai rendu visite. Je voulais lui demander, Idema, es-tu amoureuse du prince? Tu sais ce qui s'est passé? Elle n'a rien dit. Absolument rien. Ça veut dire, elle est aussi amoureuse de lui, hein? Et là, elle était juste en train de me regarder. Elle n'avait rien dit du tout. Hein? Ma fille adorée qui continue jusqu'à présent de témoigner pour moi. Parce que j'avais fait tout de mon pouvoir pour lui donner la vie. Mais tu m'as déçu. Égodé, tu es un échec. Un grand échec. Regarde comment tu t'es tenu comme ça. Ahem.
arrêter de me cacher des choses et puis être claire avec moi. Qui est-ce que tu es en train de me faire exactement? Tu dois vraiment être une folle pour me poser une telle question. Oui. Oui, je suis une folle. Très bien, je suis content pour ça dans ce cas. Bien, laisse-moi maintenant. Tu es responsable de ma folie. C'est pas moi. Ilodibi, tu as des sentiments pour cette aveugle? Ça, c'est la partie qui me met vraiment en colère. Appelle-la par son nom. Ijema. As-tu entendu? Tu n'es qu'un bâtard. Et tu es amoureux de la fille avec? Elodie, tu l'as choisi que moi? Je vois le contexte maintenant. Elodie, elle a gagné. Elodie, accorde-moi une faveur. En ce grand jour où je serai en train de marcher sur ce magnifique tapis avec elle, sois mon invité, mon spécial invité d'honneur. Ne me refuse pas ça. Ma chère. Sa Majesté. La seule chose que tu ne devrais jamais oublier, c'est où m'était. N'y prendras jamais une femme aveugle. Ce que tu n'entendras jamais est que le royaume reçoit une aveugle. Permets-lui de faire tout ce qu'il voudra. Mais tout ce que moi, je sais, tu es la prochaine reine de ce royaume. Mais mon roi, tu allais voir la façon dont il parle à propos d'elle. Je le vis dans ses yeux. Le prince est comme tout autre jeune homme. Après 2 ou 3 jours. Et je suis sûr que quand il comprendra juste qu'il a eu juste pitié, pas l'amour, je sais qu'il reviendra juste à la raison. Détends-toi, d'accord? Mais Sa Majesté, il m'a dit qu'il va l'aimer pour toujours. Imagine l'embarras des choses. Aimer et vivre avec une femme aveugle pour le restant de ses jours, c'est sans effet. Tu sais quoi, Igoudi? C'est moi qui ai le dernier mot. Je suis le seul qui peut décider si tu dois téléparler ou rester. Et si tu me demandes, je te dirai d'arrêter de pleurer. Tu trouveras un moyen de te ressaisir. Oui, c'est le temps que tu le réalises. Tu es la seule femme sur cette terre. Et la seule personne qui doit le faire, c'est toi. Est-ce que tu me comprends? Mon amour. Amaka, qu'est-ce que tu veux? N'ai-je pas accepté tous tes plans? Tu as dit que tu voulais qu'on puisse se marier. J'ai déjà accepté. Pourquoi ne peux-tu pas me laisser tranquille pendant un jour entier? Oh Biola, nous nous marions. Je sais que tu ne veux pas de ça. Tu dois comprendre que tous ces temps, on a tant de choses à faire.
On est supposé passer un peu de temps ensemble. Et moi, je ne veux pas passer du temps avec toi. Exact. Je peux avoir accepté de t'épouser, mais cela ne fait pas de moi un homme heureux. Amaka, me marier à toi est comme un article de mort pour moi. Un article de mort pour toi? Oh Biola, tu penses que je suis vraiment contente à propos de toutes choses? Tu as pris ma virginité. Tu n'as pas donné quelque chose. Et maintenant, je suis là avec l'obligation de t'épouser. En tout cas, ne m'énerve pas. Si tu penses que tu es plus énervé, tu crées ta propre tombe. Voyez-moi l'argument qui sort des lèvres d'une démone qui a drogué ma nourriture. Tu sais quoi? Va-t'en. Bien, il semblerait que tu ne réalises pas ce qui se passe maintenant. Ça, c'est ma maison, notre maison. Alors, tu n'as aucun droit de me mettre dehors. Te tuer et t'enterrer ici est une autre option. Va-t'en. Oh Biola, arrête de trop parler. Si j'étais toi, je rendrais tout possible de rendre cette fille devant toi heureuse. Parce que je peux me réveiller un beau matin comme ça et je décide d'appeler mes parents pour leur dire que tu avais pris ma virginité. Sois vraiment, vraiment prudent. Je te préviens, sois vraiment, vraiment prudent. Hello Dibé. Ai-je vraiment l'air d'un idiot pour toi? Obwefi, je ne suis pas venu ici pour te faire perdre ton temps. Je suis sérieux. Je ne vois pas encore la sérieuxité. Je vois un jeune homme venir dans ma maison qui a insulté mon intelligence, ma personnalité, mon intégrité et ma simplicité. Tu es un homme que j'aime et que je respecte dans ce royaume entier. Je ne peux pas t'insulter. Très bien. Alors qu'est-ce qui te fait penser que je vais croire le fait que tu sois amoureux d'Idjema? Ce que je ressens pour Idjema est bien vrai. Plus tu nies, plus je ne vois que des mensonges. Je ne mens pas. Maintenant, écoute-moi, jeune homme. Tu m'as peut-être dit la vérité, mais je ne suis pas d'accord. Regarde comment ton père est. Quoi qu'il arrive, ce sera voué à l'échec dès le départ de tout ça. Je suis d'accord avec vous absolument. Mais je peux quand même vous dire que je ne suis pas mon père. J'aime Idjema et je vais le prouver. Très bien. Si tu le dis ainsi, c'est quoi ton intention avec elle? L'épouser. Faire d'elle l'amour de ma vie. La reine de mon cœur. Telles sont mes intentions. Tu veux épouser une femme aveugle. La prochaine reine des Kumwete. Okoya. Faire d'elle la prochaine reine de Umuite n'est pas ma priorité. Parce que je sais que cela va me faire déshériter de mon propre père. Mais je préfère perdre absolument tout. Je préfère perdre le trône. Mais je ne suis pas prêt de perdre l'amour de ma vie. Tu penses vraiment qu'il a des sentiments pour toi? Oh, waouh. Je ressens la même chose. Je ressens aussi la même chose. Tu ne le trouves pas étrange? Je ne sais plus ce que je peux croire. Hein? Ne crois rien du tout. Parce que moi, je ne fais confiance à aucune chose dans ma famille. Parce que je suis une grande personne. Une très grande.
Je le pense aussi. Idjé, qu'est-ce que tu penses? Parlons maintenant du prince. Qu'est-ce que tu ressens pour lui? Réponds. Qui est en train de venir? Il y a personne qui vient ici. C'est Igodé, la fiancée du prince. Alors, c'est vraiment la honte d'avoir cette situation devant moi. Je ne sais vraiment pas la raison pour laquelle il l'a choisi. J'arrive pas à y croire. Regarde-la. Aveugle et misérable. Mais regarde-moi. Très belle et parfaite. Jusqu'à là, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que Olumide a pour ma vie dans cette fille. Mais si, pourquoi ne dit-elle rien? Ah, ce n'est pas notre affaire. Elle ne dit rien du tout. Elle est sourde. Hein? Hé, Idjema, prends ça. Hein? J'arrive. Attends-moi. J'arrive. Demande-lui ce qu'elle voulait dire. Merci. Hey, attends, tu ne peux pas faire ça. Excusez-moi. Adema, tu penses venir de la maison de quelqu'un, rester là et puis la regarder avec sous tes yeux. Mais je l'ai juste fait. Que vas-tu faire? Me frapper? Tu veux me faire arrêter? Tu crois vraiment que tu as le monde sous tes pieds, n'est-ce pas? Après avoir quitté Obiola pour le prince, tu dois vraiment te regarder toi-même. C'est décidé pour être différente de toutes les autres filles. Bien, désolée de gâcher ta soirée. Obiola se mariera bientôt. Qu'est-ce que tu as dit? Oh Dieu, tu es vraiment touchée. Hein? Obiola se marie bientôt. Quel Obiola dont tu parles? Les mêmes hommes qui a dû perdre son temps avec toi, au lieu d'avoir d'autres relations. Tu es vraiment merveilleux. Bien, tu dois peut-être le découvrir toi-même. Laisse-moi te prévenir. La prochaine fois que tu passeras dans cette maison, tu dois bien éclaircir ton problème. Sinon, on verra bien ce qui se passera. Obiora, tu es sur le point de te marier? Est-ce pourquoi tu es ici? Réponds-moi. Egodie, tu n'as aucun droit de venir dans ma maison. Encore moins pour me poser ces stupides questions. Alors, je suppose que tu t'es vraiment mariée. Et alors quoi? Avec qui vas-tu te marier? Pardon? Obiora, avec qui es-tu en train de vouloir te marier? Comme je te l'ai dit avant, tu n'as aucun droit de venir dans ma maison. Avec moi? Amaka, surprise, surprise. Quoi? Ah, Obina, tu peux la demander s'il te plaît avec plaisir de quitter notre maison? Tu l'as entendu. Obiora. Elle est celle avec qui je vais me marier. J'ai entendu que le prince t'a laissé pour une femme aveugle. La vie est difficile, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Juste dégage d'ici. Avant que je te montre un autre sens de la vie. Amaka! Ne pense pas à faire quelque chose qui va te détruire. Parce que tu n'as même pas le droit de rester ici dans cette parcelle. Tu as perdu ses droits, ça fait déjà longtemps. Alors dégage d'ici avant que je t'enlève tout ce que tu portes là en nous faisant croire que tu es en paix. Sérieusement, tu n'es même pas encore une reine. En voyant les choses, tu ne mérites même pas d'être une reine. Alors pourquoi tu fais tant de publications par toi-même? N'ose pas! Egoji, tu t'es déjà engagé une fois dans un combat avec une folle avant? En te voyant comme ça, je me dis que tu ne t'es jamais battu. Maintenant, dégage avant que je me décide de te donner cette expérience. Sors d'ici, va-t'en, dégage d'ici. Dégage!
Obiora m'appartient. Il est à moi. C'est seulement moi qui peux l'avoir. Obiora, tu es à moi. C'est quoi ça? Il est à moi, Yegodi. Yegodi, je t'en prie. Je t'en supplie. Pardon. Oh, je te jure devant Dieu. Les dieux sont en train de me voir d'ailleurs. Écoute, tu sais que je suis un architecte par profession. Je suis licencié. Hein? Le seul problème que j'ai, c'est que je n'ai pas de travail qui paye bien. Et je n'ai pas non plus de connexion pour voyager afin de trouver un très bon travail. Hein? Obi. Ego, je t'en prie. Ne fais pas ça. Tu le sais que je suis un homme débrouillard. Et l'argent que je n'ai pas cessé de faire avec les constructions que je faisais dans ce village et dans d'autres villages, je m'en suis débrouillé pour m'occuper de toi. Hein? Regarde-moi cet anneau, s'il te plaît. Je l'ai acheté avec mon argent. L'argent de ma propre sueur. Je l'ai acheté moi-même. Hein? Je t'en prie, ne fais pas ça, ne refuse pas cet anneau. Je l'ai acheté pour toi, je t'en prie, reprends là-haut. Obi, je ne voulais pas vraiment faire ça, mais tu repousses ma main. Regarde ces bijoux. Regarde-le bien. Le roi me l'a remis juste parce que j'ai accepté d'épouser le prince. Ego, ces bijoux sont un cadeau du roi. Même pas celui du prince. Mais cet anneau que je tiens est un cadeau qui vient directement de moi. D'un homme qui t'aime réellement. D'un homme que tu aimes de tout ton cœur. Ego, tu m'as promis que tu m'aimerais pour toujours. Tu m'as promis que tu serais avec moi pour toujours. Ego, je t'en prie, ne rejette pas cet anneau, je t'en supplie. Bikonu. Oh. Je peux ne pas être amoureuse de prince pour je le moment. Je sais que tu l'aimes pas. Obiora, non. Mais je vois que j'aurai une bonne vie avec le prince. Obi, regarde un peu le bijou que tu donnes à une femme que tu dis que tu aimes. Obim, l'amour dans mon cœur est bien plus précieux que l'or. Alors là, je t'en supplie. Faisons juste grandir cet amour comme tu l'as toujours fait. Hein? Je t'en prie, ne brise pas mon cœur. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Je t'en prie, Obi, ne fais pas ça. Obi, je suis désolée. Je ne peux pas seulement attendre ce que tu m'éprouves. Est-ce que tu sais vraiment la souffrance que j'endure? Chérie, la seule chose que je te demande en ce moment, c'est du temps. Tu sais que j'ai beaucoup épargné, ça fait des années. Et très bientôt, je vais commencer un très bon business. Alors, je pourrais t'offrir le monde. Je t'en prie. La seule chose que je te demande, c'est du temps. Arrête, Obi. Ne fais pas ça. Hey, Obalicham, ne fais pas ça, je t'en prie. Obi, s'il te plaît. Obi, à un moment, il faut accepter la réalité. Je ne peux pas m'évaler la face. S'il te plaît, garde la bague. Je pense qu'un jour, tu trouveras une femme qui acceptera cette bague. Bam. Obi, s'il te plaît. Je te souhaite le meilleur, Obi. Non, chérie, ne fais pas ça, s'il te plaît. Obi, s'il te plaît, arrête. Obi, tu ne mourras pas. Obi, laisse-moi. Ce n'est pas ma faute. Obi, laisse-moi tranquille. Ego, s'il te plaît, je t'en supplie. Ego, je t'en supplie. Hey, Ego, je ferai plus d'argent pour toi. Ego, s'il te plaît. Ego, reviens. Qu'est-ce que je m'étais fait moi-même? Que je vais faire. Es-tu en train de pleurer? Qu'est-ce que tu as? Contrôle-toi un peu, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te prend exactement? Ah.
Mes salutations, le prince. Salutations, quelle surprise. Ouais, on peut dire juste ça. Je n'avais pas fait signe que je serais ici. Je t'en prie, viens t'asseoir. Non, mon prince. Je suis en train de partir. Merci. Est-ce que tout va bien? Ça serait quand tu auras à attendre ce que j'ai à te dire. Très bien, je t'écoute. Une nouvelle se propage en ville qui semble être que vous êtes amoureux de mon ami. Il ne semble pas que je sois amoureux de ton ami. Je suis au fait amoureux de ton ami. Je vois. Rien. Rien que la vérité. Alors, tu feras n'importe quoi pour la protéger. Je donnerai ma vie s'il adviendrait. Alors, préviens ta fiancée. Mets-la à côté. Et Godi était dans la maison de mon ami. Et ce n'était pas vraiment une visite amicale, mon prince. Et Godi me tape sur le nerf. Mon prince, je suis ici pour discuter avec toi parce que je te respecte. Mais la prochaine fois, vraiment à la prochaine que je verrai Egodi dans la maison de mon ami, je l'amènerai aux femmes de la communauté. Et je suis sûre que tu sais ce que cela veut dire, mon prince. Je le sais bien. Attends. Comment va-t-elle? Tu insistes que tu es en relation avec elle? Découvre ça par toi-même. Tu sais très bien que je suis déjà en colère. Alors pour ton propre bien, donne-moi une réponse directe. Je te le demande encore. Étais-tu allé dans la maison des Ijema? Oui. Oui, j'y étais. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me frapper pour ça? Tu vas me tuer. Je vais te tuer! Qu'est-ce que tu croyais? Qu'avais-tu en tête? Pourquoi es-tu allé dans cette maison? Rien du tout. Je jure. Attends-toi. Écoute-moi très bien. Que ceci soit la dernière fois que tu poses tes sales pattes dans sa parcelle. Tu m'as entendu? Oui. Tu m'as entendu? Oui. Est-ce que tu as compris? Gentille fille. Je ne peux pas croire que le prince avoue avec curiosité qu'il est vraiment relâché avec Ijima. Comment un grand prince peut tomber soudainement amoureux d'une simple femme aveugle? C'est ce que je ne serai jamais capable de comprendre. Alors regarde le visage du prince. Il est vraiment content. Je n'arrive pas à y croire que cette fille vit pratiquement dans ma propre maison, pendant que je cherche du bois pour le feu. Du bois pour le feu, afin qu'elle puisse préparer avec. Préparer pour qui? Pour moi? Non, je préfère mourir plutôt que de goûter à cette nourriture. Jamais. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai juste vu et je crois que tu voulais de l'aide. Va-t'en d'ici! Laisse-moi! Va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici tout de suite! Laisse-moi! Laisse-moi! Va-t'en d'ici! Je veux pas te voir! Je veux pas te voir! Je veux pas te voir! Thank you.
Igode. Igode. Oncle. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Tu vois, je ne sais même pas où est-ce que je peux te procurer toutes ces histoires. Faire un homme qui est tellement amoureux avec une autre femme. Pour ça. En fait, même si je le veux, je ne sais pas de quelle manière je vais commencer à expliquer ce n'importe quoi. Est-ce que ça existe encore? Alors, oncle, tu dois avoir une autre idée. Que doit-on faire? Une idée? Oui. Et Godi, c'est pathétique. Même un oiseau abattu n'est pas désespéré comme toi en ce moment. En fait, Igode, tu as échoué. Accepte ta défaite et laisse-moi tranquille. J'ai une discussion très importante. Respecte ta promesse. Votre Majesté, le royaume a un grand problème. Et c'est très important que tout problème que vous pensez avoir en ce moment, je suis en train de dire... Non, c'est pas important. Je crois que c'est une solution à ces problèmes. Vraiment? Exact, ma chère. Venez par ici. Venez, venez. Écoutez ça, venez. Après. Idioma, je t'en prie, fais-moi entrer. Non. Non? Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Je n'ai pas confiance en toi. Vraiment? Idioma, juste soudainement, tu ne me fais pas confiance. Voilà, tu les crois maintenant. Idioma. Même dans tes rêves, tu penses que moi, Prince Elodibé, pourrais te faire du mal? Écoute, mon prince. Je... Je comprends bien. Tu peux être aveugle. Mais je suis sûr que Dieu t'a béni avec le sens le plus important du monde. Le sixième sens. Ce qui est l'habileté de connaître les capacités des gens qui se trouvent autour de toi. Des gens devant toi. Je suis debout ici, ça fait un moment déjà. Si seulement j'avais été capable de te faire du mal en ce moment. Si tu avais senti le danger autour de toi. Tu serais en train de crier de toutes tes forces en ce moment même. Je ne désire pas te voir ici. Je ne veux simplement pas que tu entres dans ma maison. J'aime. Je suis tombé amoureux de toi. Le jour même où j'ai posé mes yeux sur toi. Je ne t'ai jamais fait de mal. Tout ce que je veux faire, c'est t'aimer. Je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Je ne peux pas arrêter de t'aimer. Alors je me fous de ce que tu penses, ou comment tu penses. Je n'arrêterai jamais de t'aimer. Tu donnes ta langue au chat. C'est d'accord. Si cela te rend heureuse. Je vais partir. Mais si tu n'as encore jamais eu aucun sentiment pour moi, alors tu vas rester ici, sans rien faire, pendant que je vais m'en aller.
Mais je te promets au moins une chose. Je vais partir d'ici. Et je ne reviendrai jamais. Très bien, je... Attends. S'il te plaît, ne le prends pas mal. Ne me comprends pas mal. Malgré ce que je ressens, je ne pense pas que c'est correct que nous puissions plus nous rapprocher. Es-tu sûr à propos de ça? Et il l'admet déjà. Après ma rencontre avec le prince, aujourd'hui, je peux lire sur son visage qu'il est perdu par Idima. Et c'est étrange? Exactement, Naïm. Comment va Idima? Qu'est-ce qu'elle ressent pour le prince? C'est vraiment une longue question auquel je n'ai pas de réponse. Idima, c'est ta meilleure amie, n'est-ce pas? Elle est Naïm. Alors pourquoi tu me dis que tu ne connais pas ses sentiments envers le prince? Naïm, maintenant je ne comprends pas Idima. Idima est mystérieuse. Tu ne vas même pas comprendre ce qu'elle pense ou ce qu'elle veut faire. Idima, je ne sais même pas si elle aime le prince ou soit elle déteste le prince. Elle reste toujours là à regarder. Tu sais, cette fille, je n'arrive plus à la décrire. Amaka, laisse-moi tranquille. Je te dirai pas de quoi. Amaka, laisse-moi tranquille. Oh, Biora. Tu penses que je suis une folle? Tu penses vraiment que je te donnerai la paix juste parce que tu as accepté de m'épouser? Oh non! Tu te trompes. Va collecter l'argent. Tu m'as écouté? Va collecter l'argent parce que je ne quitterai pas cette maison juste pour rien. Alors va-t'en. Amaka, rentre chez toi. Personne ne te retient ici. Va-t'en. Mon ami, tu mens. Tu te trompes. Tu dois collecter cet argent. Et tu dois payer ma dot. Que tu le veuilles ou pas. Tu m'as entendu? Que tu le veuilles ou pas. Alors tu vas devoir attendre que j'aille voler. Parce que je n'ai pas cet argent avec moi. Tu es celle qui a choisi d'habiter dans ma maison. Tu ferais mieux d'accepter les choses telles qu'elles sont ou bien retourner dans la maison de tes parents. Oh, Biora. Et justement pour la dot, je l'aurai quand je l'aurai, ma chère. Oh, Biora, je peux être enceinte. Je peux être enceinte, oh. Magnifique. Applaudis pour toi-même, c'est bien. Alors tu ferais mieux d'oublier la dot dans ce moment et commencer à penser pour le bébé. Quoi? Exact, tu m'as entendu. Ça, c'est le mieux que je puisse offrir. Le mieux, je te dis. Le mieux que je puisse t'offrir. Oh, Biora! Oh, Biora, reviens ici! Oh, Biora! C'est ce nom de Biora qui t'appelle Tétu. Tu vas payer ma dot, oh! Que tu le veuilles ou pas, tu vas m'épouser. Dans cette maison, on verra bien. J'irai nulle part. Je t'attends ici. Je suis là. Bien, tu peux accoucher ça. Je n'ai pas toute la journée. Bien, Sa Majesté. C'est juste que... Peux-tu, s'il te plaît, aller au but? Ou sinon, tu me tapes sur le système. Je parle à propos de ce que tu m'as demandé de faire. Je suis désolée. Pourquoi? Pourquoi? Sa Majesté, je suis désolée, je ne peux pas faire ça. Je vois. Oui, Sa Majesté. Tu sais quoi? Je trouve très difficile de croire que des femmes timides comme toi existent dans la société aujourd'hui. Pardonne-moi. Oh oui. Tout ça, c'est à cause des choses normales. Les femmes seront folles. D'autres même voudront tuer pour ça. Mais toi, tu es là. Debout et tu me parles. Mais tu es incapable de passer à un test simple comme ça. Honnêtement, je ne pensais pas que tu pouvais être très inutile. Je ne vais pas te payer l'argent, je ne vais pas. Sa Majesté. Oh oui, tu as juste un mois. Un mois pour performer l'équipe et je te demande juste d'être sage. Tu es en dehors du palais. Sa Majesté, résoudre? Quand as-tu pas à résoudre? Du fait que tu me poses cette question, j'ai compris combien de fois tu es trop bête et je pense que tu l'es. Ne suis-je pas un homme chanceux? Pourquoi tu parles ainsi, mon prince? Oh, mon Dieu, je ne reviens vraiment pas, mais je veux dire,
Normalement, j'étais censé partir, mais tu m'as laissé entrer et je... Je suis d'ailleurs assis proche de toi et maintenant nous parlons et donc... Si seulement je n'appelle pas cela un véritable amour ou encore moins une véritable affection, comment vais-je appeler ça autrement? Mon prince. J'ai accepté. Quand vas-tu enfin avoir le courage de me dire si tu m'aimes ou pas? Qu'es-tu en train de faire? Je ne fais goûter rien de plus. D'accord. Stop. Oh. Bienvenue, mon chéri. Bienvenue. Assieds-toi, je t'attendais justement. Assieds-toi. Désolée si je suis en retard. J'ai attendu que tu reviennes. Ok. Je suis là maintenant. Je voulais juste m'excuser. T'excuser? T'excuser pourquoi? Écoute, je sais que c'est ton papa qui m'avait épousé. Il m'avait amené à la maison. Il a dû payer ma dot. Mais je me suis moi-même sentie coupable de justement de s'excuser auprès de toi. Je suis désolée. Tu es désolée? Oui. Donc, Godi, je n'avais jamais vu ce talent en toi. Je ne savais pas que tu étais si bonne actrice. Donc, tu penses que ceci font en sorte que je tombe automatiquement amoureux de toi, voyons. Non, t'as pas raison. Je ne fais pas tout ça pour te faire tomber amoureux de moi. D'ailleurs, pour ton information, je quitterai le palais demain. Demain, tu as dit? Je sais que le mariage ne marche pas entre nous deux. J'aimerais qu'on reste deux amis. Réfléchis sur ça. Bien sûr qu'on peut être amis. Après tout, tu étais supposé être ma femme, alors pourquoi pas? Amis. Alors je peux toujours compter sur toi comme un prince. Quand tu veux. Merci beaucoup. Merci. Alors, comment se porte Ijema? Espérons qu'elle va bien. Exact, elle. Ouais. C'est bien. Ça, c'est bien. J'ai préparé quelque chose pour toi. Tu vas l'aimer. Tu vas aimer ça.
Laisse-moi te servir. Ah, ok. Ok, vas-y, goûte. Ceci n'est pas correct. J'ai toujours des sentiments pour le prince. Ce n'est pas du tout correct. Mes sens me disent que je ne peux pas lui laisser s'approcher de moi. Mes sens me disent que je ne peux pas lui faire confiance. Bien que je désire construire un futur avec lui, je ne suis rien si ce n'est qu'une aveugle. Je suis supposée croire au fait que il est amoureux de moi. Mais pourtant, que dois-je faire? Je suis heureuse quand il est à mes côtés. Et est-ce que c'est bien que je sois amoureuse de lui? Cher Seigneur, dans quel pétrin me suis-je mise? Obira. Qu'est-ce que tu veux? Sois cool, on se bat pas. J'ai juste posé une simple question. Qu'est-ce que tu veux? Ok, bien. Je veux que tu viennes à l'intérieur, que tu me fasses l'amour. Excuse-moi. Tu m'as écouté. Tu es l'homme et moi je suis femme. Et bientôt, on va se marier. Qu'est-ce qui est si étrange sur ce que je demande? Cela sera fait seulement sur mon cadavre. Excuse-moi. Amaka, tu as dit que tu voulais venir vivre dans ma maison. Je t'ai au moins accordé cela. Tu as dit que tu voulais que je vienne t'épouser. J'ai accepté. Mais c'est tout ce que tu pourras obtenir de moi, ma chère. Parce que mon corps est la seule limite pour toi. Et ça le sera toujours. Obiora, Obiora, on se marie bientôt. Tu avais pris ma virginité. Et maintenant, tu veux juste me laisser comme ça? Couche avec moi, non, s'il te plaît, couche avec moi. Tu ne me traites pas bien du tout. Amaka, tu m'as droguée et on a fait l'amour. Ça n'a jamais été mon intention ou mon désir de te toucher ou de faire quoi que ce soit avec toi. Alors tu ferais mieux de garder les souvenirs de ce jour-là, au fond de ton cœur. Garde-le et conserve-le très bien, parce que je peux t'assurer que c'est tout ce que tu auras dans toute ta vie. Bébé, je sais que je t'avais drogué, mais je ne t'avais pas forcé toujours de coucher avec moi. Tu l'avais fait et tu étais très content de toute chose. Allons-y à l'intérieur et fais-moi plaisir, s'il te plaît. S'il te plaît, mon bébé. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu veux exactement? Allons-y à l'intérieur. Tu veux que je te fasse l'amour à l'intérieur? Oui. Je t'ai entendu. Va à l'intérieur et j'arrive. Vraiment? Exact. Merci. Apparemment, tu commences déjà à m'aimer. Et je sais que ce n'est pas un malheur d'être avec toi. Pourquoi es-tu en train de prêcher maintenant? Je t'ai demandé d'aller à l'intérieur et de m'attendre. Parce que j'arrivais. Pourquoi es-tu en train de prêcher maintenant? Ça va pas avec toi? C'est bon. Vas-y, j'arrive. Je t'aime. Je t'attends. Peux-tu me laisser tranquille maintenant? Bébé, je t'attends. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au juste? Quels sont des problèmes et ça, vraiment? C'est quoi au juste?
C'est fait. Oh mon Dieu, ça marche. Le roi avait raison, ça marche. Et lentement, il va bientôt être un peu satisfait. J'attendais que ça. Bien essayé. Bien essayé. J'étais sur le point de te pardonner. Mais il y a quelque chose que tu avais dit qui m'avait vraiment intrigué. Je sais que le mariage ne marchait pas vraiment entre nous deux. J'aimerais qu'on reste des amis. Réfléchis sur ça. Je peux ne pas en savoir trop sur les femmes. Mais je sais au moins qu'elles n'abandonnent pas leurs hommes facilement. Pas quand l'amour est impliqué. Tu viens de me prouver que tu ne m'as jamais aimé. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Non, tu n'aimes pas. Tu ne sais absolument rien de l'amour. Ça doit t'intéresser que je sache quelque chose à propos de ton ex, Obiora. Tu l'as quitté. Et tu as couru après moi à cause de quoi? Mon affluent. Je suis sûr que c'est lui qui était derrière ces appels avec des numéros inconnus. Mon prince, je suis désolée, mon prince. Je t'aime toujours. Bon travail. Tu sais que je suis désolée. Je t'aime encore, mon prince. Ça ne va pas arriver. Elle n'ira nulle part. Est-ce que tu entends, fils? Elle n'ira nulle part. Vraiment? J'aimerais voir qui va l'épouser. Parce que s'il y a un mari pour elle dans cette maison, ce n'est sûrement pas moi. Tu mens, fiston. Tu mens, fiston. Ego reste ta femme. Et elle était toujours là pour toi. Et c'est pour cela que Ego reste là. Est-ce que tu me comprends? Empoisonner ma nourriture. Tu n'avais pas d'autre idée? J'ai très honte de toi. Je suis extrêmement... Arrête de parler comme ça, fils. As-tu oublié que je suis ton père? Hein? C'est vraiment triste et malheureux. Malheureux pour moi. Et malheureux pour toi. Et malheureux pour cette sorcière. Je ne vais jamais l'épouser. Là, tu passeras sur mon cadavre. Ça n'arrivera jamais. Fils, reviens ici. C'est quoi ça? Et toi? Honte à toi. Tu ne peux pas faire un simple test pour garder ton homme. Quelle sorte de femme es-tu? Désolée, Sa Majesté. Ne me parle pas. Une femme inutile. Même la femme aveugle est le plus sorcière que toi. Quelle déception. Que personne ne vienne me chercher. Toi. Toi. Mon prince. Qui est-ce? Salutations. Pourquoi me saluer? Donc c'est toi le responsable de ce putain de mariage, n'est-ce pas? Et quel mariage? Donc quel mariage? Quel mariage? Tu es le seul responsable de toutes ces sales décisions que mon père n'a pas cessé de prendre. Toi! Toutes ces décisions négatives qui n'ont pas cessé de tourner dans ce palais. Toi! 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 Je ne comprends pas ce que vous dites. Oh, tu ne comprends pas?
tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, non, tu ne comprends rien. Je suis en train de parler des Cody. Je suis en train de parler de ta nièce que tu as emmenée dans cette maison. Reprends-la. Tu m'as entendu? Ramène-la. Ramène-la. Que je la ramène? Exact. Reprends-la. Emmène-la loin de ce palais. Elle est ta nièce. Et c'est toi qui l'as ramenée dans ce palais. Tu as payé sa dot avec ton argent, alors tu n'as rien à réclamer auprès de moi. Va à l'intérieur. Emmène ta nièce hors de ce palais. Et toi, reste très loin de ce palais. Tu m'as entendu? Igogne, un simple oui, simple test et tu as échoué. C'est quel genre de femme? Tu n'arrives pas à convaincre l'homme de coucher avec toi. Comment cette femme? Les femmes... Oncle, il avait déjà changé son opinion quand il m'a rencontré. Il savait qu'il n'allait rien faire avec moi. On va t'abandonner. T'abandonner. Oncle, s'il te plaît, arrête de m'insulter. Arrête de m'humilier. T'es insulté? Est-ce que tu t'entends parler? Hey, attends jusqu'à ce que tu fasses partie de ce palais. Attends jusqu'à ce que tu trouves la place parmi les gens dans ces palais aussi. C'est là que tu comprendras à quoi ressemblent les insultes. C'est là que tu comprendras exactement ce que veut dire être humilié. Oncle, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus. C'est ce que tu dis, être fatigué? Non, depuis que tu étais venu ici, à part mon effort, es-tu capable de faire quelque chose pour toi? Si tu l'avais fait, tu devais être enceinte en ce moment. Regarde-toi comment tu es. La vraie définition d'inutile. Oncle, je ne peux plus rester là tout court et m'insulter. J'en ai marre. Hein? Attends. Le roi a dit reste dans les palais. Tu devais être reconnaissante. Hein? Reconnaissante. Cette femme, elle est tellement bête qu'elle a perdu ma place. Je n'y pensais pas qu'elle allait être si lente en action. Je voulais le prince Ezebu de Igenuma. Hein? Tout ne marche pas pour moi. Tu sais à quoi je me suis battu toute l'année. Votre Majesté, nous ne pouvons pas laisser les choses évoluer comme ça. Cette histoire entre les princes et la femme aveugle, ça va nous amener à la fin. Oui, la vraie fin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À ce moment, j'ai essayé toutes les options. Majesté, vous êtes le roi. Il faut la bannir. Qu'elle aille très loin. Bannir une femme aveugle innocente de ce royaume? Pour quelle raison? Vous pouvez dire qu'elle a essayé de séduire le prince. Oui. Et qu'est-ce que je suis censé dire au prince Dinaïs? Prince Dinaïs, là, c'est rien du tout. Dites-leur que le prince est en dessous d'une place très importante d'amour d'enfant. Et c'est pour cela qu'il s'amuse. Et s'il découvre la vérité? Votre Majesté, vous réalisez que le prince épouse une aveugle, ça sera la fin du royaume. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Je sais ça. En fait, personne ne sait comment je me suis donné. C'est ça. C'est pour cela que je demande si tu en as au moins une suggestion pour moi. Votre Majesté, vous avez suggéré qu'on la bannisse, mais vous avez refusé. Ok. Comment est-ce que vous ne pouvez pas trouver une manière de la tuer?
Ouais, tu es là et j'étais quelque part. Oui. Et tiens, Diallo. As-tu réalisé la grandeur de ce que tu as dit? Ah ah, la tuer. Ah ah, Votre Majesté, j'essaie juste de vous aider. Oh. J'essaie juste de vous aider. Je pense qu'on n'a pas la même point de vue. Tu m'as demandé l'aide. J'essaie de t'aider parce que ce qu'ils sont en train de faire, ça ne répond vraiment pas aux critères. Je voulais juste vous aider. C'était juste une aide. Je me demandais quand est-ce que tu passeras ici. Oh, Wifi, au fait, ce que je manquais, c'était du courage. Ah ah. As-tu tué quelqu'un? Non, pas du tout. J'avais appris ton histoire avec cette femme. Est-ce vrai? Ou tu planifies de l'épouser? Pour vous dire la vérité, j'aurais souhaité ne jamais rencontrer cette fille de ma vie entière. Ah ah. N'est-elle pas ta petite amie? Non. Oh. Cette fille était une douleur à mon cou. Toujours là à me suivre partout. Oh. As-tu couché avec elle? Oh, Wifi, je ne peux vraiment pas l'expliquer. Tu ne peux pas expliquer comment tu as couché avec elle. Alors tu ne connais pas les pourquoi tu as couché avec elle. Lesquels est vrai? Elle a dit que je l'ai fait. Hein? Elle a dit? Exact, elle l'a dit. Je vois. Oh, Wifi. Hein? Je suis vraiment troublé et confus. Qu'est-ce que je peux faire? Mon prince, qu'est-ce qui est supposé être le problème? Tu n'as sorti aucun mot depuis ton arrivée ici. Tu es de mauvaise humeur. Ah, c'est quoi le problème? Quelque chose vous dérange? Comment es-tu devenu aveugle? Mon prince! Je suis désolé, je ne voulais pas du tout te rappeler ta vie du passé, mais je suis désespéré. J'ai besoin de savoir comment tu es devenu aveugle. Je veux le savoir. C'est arrivé mystérieusement. J'avais été piqué par les abeilles. Abeilles? Oui. Les abeilles du sanctuaire de Gwangbada. Cette mascotte de la mort? Oui. Tous les prêtres que mon père et moi avons visités disaient la même chose. Quand est-ce que cela est arrivé? Durant ma première année à l'université. Oh mon Dieu. Cela est arrivé juste après que tu aies commencé l'université? Oui.
Mon père a fait tout ce qu'il pouvait. Il a tout fait afin que je revoie encore. Mais ce n'est jamais arrivé. Il a consulté les dieux, la médecine anglaise et la médecine traditionnelle. Même les hommes derrière le mascotte d'Ongwambada. Ils étaient confus. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un peut être aveuglé par ce genre d'abeilles. Alors, ils sont parvenus à conclure que Ongwambada était devenu démoniaque. Alors, ils ont dû s'en débarrasser. Il avait succombé. Et tu es resté aveugle. La mascotte de Gwamdara a été détruite il y a des années de cela. Alors pourquoi amener la version nouvelle maintenant? Tu es en train de penser que nous n'avons pas pu faire tout ce que nous pouvons pour la remettre encore? On a fait de nos mieux. Je pense que votre mieux n'était pas du tout assez. Excuse-moi? Je ne crois pas du tout que une personne qui n'était pas née aveugle, juste soudainement et mystérieusement, peut devenir aveugle un bon matin et qu'il n'y ait aucune solution pour recouvrir sa vue. Je ne crois vraiment pas en tout ça. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as décidé de rêver les chiens qui dorment? J'aime Ijema. Elle est celle que je vais épouser. Alors s'il lui redonnait, sa vue est la dernière chose que je puisse faire. Alors je considère ça comme ma preuve d'amour pour elle. Aussi longtemps que je suis en vie, elle recouvrira sa vue. Je vais m'assurer de ça. Anyumete, le prince a dit qu'il est tombé amoureux de la femme aveugle. Cette jeune femme, elle est comme ma propre fille. Mais je trouve difficile de croire que ce que le prince a dit est vrai. Même si c'est vrai, ce royaume Umete va finir avec une reine aveugle, je trouve très difficile d'y croire. Alors je demande un signe. Donne-moi un signe. Comme le prince est tombé amoureux d'elle et il préfère vivre ensemble. Montre-moi un signe. Alors je vais les expliquer. C'est tout ce que je demande. Aïe! Aïe! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Ah! 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 Ma jambe, ça fait mal! Ah! 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 Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Obiora, qu'est-ce qu'il y a avec ta jambe, non? J'ai été mordu par un serpent. Un serpent? Laisse-moi faire. Aïe! Obi, arrange ta jambe. Arrange. Aïe! Viens là, partons d'ici, s'il te plaît, partons. Allons-y, tu vas être bien traité. Partons d'ici. Obi, force-toi, sois courageux. Force-toi, bientôt on arrive. Ma machette. Obi, oublie ta machette, qu'est-ce que tu vas faire avec? Allons-y, là. Ne pleure plus. J'ai mal à ma jambe. Force-toi, j'ai très mal. Partons d'ici, c'est pour moi très mal de voir. Ne pleure plus. C'est pour moi. Comment va ta jambe? Ma. Comment toi maintenant?
Doucement, s'il te plaît. Ça va quand même mieux. J'ai préparé quelque chose pour toi. Tu as préparé le dîner pour moi? Pourquoi tu t'étonnes comme si je tuais quelqu'un pour toi? Et tu as même nettoyé la maison. Tes parents sont mes parents. On a toujours été une famille, d'accord? Oui. Prends ça. Hey! Ça a vraiment l'air très bon. Merci beaucoup. Ok. Alors, je dois partir. Dors bien. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Tu sais, tu peux garder tout ça. Je prendrai ça dès que je serai de retour. Ok. Sois prudente, oh. Je le ferai. D'accord. Prends soin de toi. Hey! Comment savait-elle que j'avais faim? Elle me manque beaucoup. Elle me manque vraiment. Oh mon Dieu! Bébé, tu m'as trop manqué. Je sais que tu commences déjà à m'aimer. Ami, dis-moi la vérité. Ce jour-là où tu m'as droguée, avons-nous fait l'amour? Oui, on l'avait fait et c'était vraiment mémorable. Je t'aime. Pourquoi tu as demandé? Je ne faisais que réfléchir, c'est tout. Viens là. Je veux qu'on aille quelque part. Où? Viens avec moi. Oh, Bi, mon amour. Une femme aveugle. Comment est-ce qu'elle saura quoi faire ou te toucher pour te satisfaire? Hein? Non! Une femme aveugle, comment est-ce qu'elle saura comment préparer pour toi? La femme qui ne voit pas, comment elle va prendre les soins de tes enfants si elle met au monde? Une femme aveugle, sûrement, elle ne connaîtra jamais. Et il n'y a aucune manière qu'elle connaisse la différence entre toi et un autre homme. Quelqu'un pourrait se faire passer pour toi et venir la nuit. Assez! Maintenant, c'est qu'est-ce assez. Qu'est-ce qui est assez? Permets-lui de te dire la vérité. Il te dit la vérité. Tu peux imaginer. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Et maintenant, tu déclares que tu es sérieusement amoureux d'elle. C'est juste une question. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh! Très simple. Oublie juste cette terre. Hein? Donc, tu conclus par on oublie cette terre? C'est tout ce que tu dis? Tu m'as très bien entendu, père. Complètement. J'ai dit oublie cette terre. Il semblerait qu'il n'y a plus rien d'autre à dire. Je vais vous laisser tous les deux. Fais attention. Je vois. Je t'avais dit, hein? Je t'avais dit que ça arrivera comme ça. Mais tu m'as pas écouté. Je sais quoi faire. Mon amour, qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais te poser cette question et seulement une fois. Emmène-la à la déité centrale. Obwefi, cela va vraiment à l'extrême. Tu as une meilleure option? Hein? J'ai dit amène-lui là-bas, le problème sera résolu. Hein? Je dis cela parce que nul ne peut mentir devant les sanctuaires d'où moi était. Oh, Bi, s'il te plaît. Non. Le jour où tu m'as drogué, avons-nous fait l'amour? Réponds-moi, sinon je jure devant cette divinité. Non, je... non. Non. Non à quoi? On n'avait pas couché ensemble.
Je t'avais servi cette nourriture, mais il n'y avait pas la drogue à l'intérieur. Je suis désolée. S'il te plaît. Je vois. Oh, Bi, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Où tu iras après ici ne me concerne pas aussi longtemps que ce n'est pas dans ma maison. Tu trouveras toutes tes affaires sur la grande route attendant que tu arrives là-bas. Si tu oses venir proche de ma maison, je le jure devant les divinités, je vais te tuer et en assumer les conséquences. Ah, Obi, ne fais pas ça. Obi, désolée, pardonne-moi. S'il te plaît. Ah. Votre Majesté, mais qu'est-ce qui ne va pas? Cette histoire doit finir. Ça doit finir aujourd'hui. Cette histoire d'amour entre mon fils et cette femme aveugle, ça doit finir aujourd'hui. Oui. Où vas-tu? J'en ai assez de cette méchanceté. Ça me pousse à la guerre et je vais utiliser mon autorité pour pousser à cette femme de laisser très loin de mon fils. Jamais! Loin de sa vie misérable. C'est ce que je veux faire. Votre Majesté, ça c'est très important. Et les staff du bureau du roi qui représente le royaume tout entier, c'est l'autorité de ces royaumes ici. Mon roi, pourquoi tu apportes ça à cause d'une femme? Je suis au bout de mon souffle et je ne veux pas retourner. Si tu es avec moi, accompagne-moi. Votre Majesté, tu es vraiment très belle. Merci, mon prince. Cette histoire va finir aujourd'hui. Il faut que ça s'arrête là. Papa, que signifie tout ceci? Que veut dire ceci? C'est à moi que tu demandes cela. Est-ce le roi? Exact. Oh, je vous salue, mon roi. Oh, garde ta salutation. Toi, âme méchante. Papa. Et par le staff du roi, je t'ordonne d'être... Qu'est-ce que tu fais, Ben? Ah! Qu'est-ce que tu fais? Ah! Qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait? Ah! Mon amour, qu'est-ce que tu fais bien? Je t'ai hésité. Qu'est-ce que tu as fait? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? Messieurs, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mon prince, je peux voir. Je peux voir. Quoi? Oui! Tu peux me voir? Je peux te voir. Oh, je peux voir. Etienne Delou. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hey! Votre Majesté. Je t'en prie, pardonne-moi, mon prince. De quoi parles-tu au juste, Etienne Delou? J'ai tout fait. Hey! Tout fait, Votre Majesté. Aïe! Monsieur! Votre Majesté. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais tout vous dire. Pardonne-moi. J'ai tué son père. Quoi? Votre Majesté. Les abeilles qu'il avait piquées jusqu'à l'aveuglement, je les ai envoyées. Quoi? J'ai envoyé les abeilles parce que... Elles dépendaient de son père. C'est pour cela que je l'ai tué. Pour que ça ne volue plus jamais. Votre Majesté, s'il vous plaît. Pardonne-moi. Mon prince, où es-tu? Ton pardon ne va pas marcher avec nous. Continue de parler, Votre Majesté. Cet homme de Vanugwe, son père préparait la succession de tout ça. Tout son héritage, qu'elle sera aveugle pour toujours. L'aveuglement était censé ruiner sa destinée. Maintenant, je commence à comprendre ce qu'il disait. Hey, Votre Majesté, pardonne-moi. Pour la terre. Pardonne-moi. Mon prince,
Où es-tu, s'il te plaît? Pardonne-moi. C'était donc toi mon cauchemar depuis toutes ces années. Comment est-ce que je n'ai pas pu voir ça? Toi, tu es un démon. Mais tu es un démon. Votre Majesté, s'il te plaît, pardonne-moi. Utilise les stars pour moi. Je vais voir. Je n'ai pas été avec elle comme ça. Hey! Tu m'as supplié de ne pas les faire. Tu as tout mis de côté pour nuire une femme d'autrui. Votre Majesté, vous l'utilisez? Hein, utilise ça. Je vais voir, je vais voir. Je vais voir. Hein, je vais voir. S'il vous plaît, Votre Majesté, vous ne pouvez pas me laisser ici. Votre Majesté. Votre Majesté, mon prince. Hein? Aidez-moi. Aidez-moi. Y a-t-il quelqu'un? Mon prince. Mon prince. Les dieux de mes ancêtres. Pourriez-vous me pardonner? Comment est-ce que je n'ai pas pu vivre venir? Comment est-ce que j'étais attaché à un tel homme méchant? Il était vraiment préparé pour faire souffrir cette pauvre fille. Comment est-ce que je n'ai pas pu voir ça? Oh mon Dieu! Mon roi, c'est la fin pour moi. Egodi, je suis désolé d'avoir dit ça. J'ai fait des grandes erreurs. Ma part des choses. Pardonne-moi? Sa Majesté, en regardant ton visage, je sais déjà ce que tu veux me dire. Et je dois dire que je suis d'accord avec toi. J'ai aussi rencontré des grands mystères. De comment on est hors de notre impact. Je pensais juste comment te dire au revoir. Igodé. Sa Majesté, on a échoué avec ton idée que j'épouse le prince. Mais tu ne m'as jamais laissé tomber. Je ne veux pas me décevoir moi-même. Comme toutes les femmes d'ailleurs qui prennent bien leurs responsabilités, j'ai décidé de prendre la responsabilité de mes actions.
Je vais te demander une faveur. S'il te plaît, dis au prince que je suis vraiment désolée et je lui souhaite toutes les meilleures choses avec Duma. Et Godi. Mon roi. Je te souhaite aussi la meilleure vie. Merci, Sa Majesté. Laisse-moi respirer. Massi, prépare la nourriture. Massi, va au champ. Massi, va prendre de l'eau. Massi, on dirait que je suis la seule personne dans cette famille. Je suis vraiment fatiguée de tout ça. Tellement fatiguée. Puis-je t'aider? Que fais-tu ici? Massi. Massi, pardonne-moi. Je n'ai jamais été gentil avec toi, malgré que tout ce que tu faisais, c'était seulement m'aimer. Toutes ces années, tu m'as aimé sincèrement. Alors, je suis là maintenant. Je sais que ça sera complètement fou si je te disais que je t'aimais là maintenant. Alors, je vais seulement te demander d'être mon ami. Ma confidente, ma compagnon, mon ami, mon aide aussi. Ok. Massi, si seulement tu oses me rejeter, je continuerai de te demander parce que je viens maintenant de réaliser que tu m'appartiens à moi. Je ne sais pas quoi te dire maintenant. Ben, tu n'as pas non plus besoin de dire quoi que ce soit. Essayons juste de construire ensemble. Commençons depuis le début. Et Amaka alors? Une toute autre histoire. Quoi? Elle a menti à propos d'absolument tout. Je n'ai jamais couché avec elle. Elle est en train de me forcer dans le mariage. Mais tout est absolument clair maintenant. Nous n'allons pas nous marier. Obi, tu es vraiment sérieux maintenant? Ma, nous vivons tous dans le même royaume. Tu peux découvrir la vérité toute seule. Puis-je t'aider maintenant? Puis-je t'accompagner à la maison? Qu'est-ce que je vois? Je ne peux pas croire que c'est arrivé. Fais comme si elle n'était pas là, ok? Allons-y. J'ai appris ce que tu as fait à cette dame aveugle. Tu n'es pas juste contre elle. Et la centaure de Koumedi. Tu es contre le staff du roi. Et là, il ne peut rien faire pour toi. S'il te plaît, aide-moi. 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 Tu es mon seul espoir. S'il te plaît, mon ami, si je suis ton seul espoir, tu serais déjà mort. Mais je ne le ferai pas. Tu dois toujours être comme ça, aveugle. Tuer ses parents et prendre leur terre. Ça, vraiment. Ogwef. Ogwef, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Je fais d'elle aveugle pour qu'elle oublie tout ce qu'elle a en elle. Parce qu'elle allait être la reine de ce royaume. Hey, maintenant tu connais d'où vient ton pardon. J'ai la personne à qui tu as offensé. Je ne peux rien faire pour toi.
Eh bien, tu es l'attaché du roi. S'il te plaît, aide-moi. Tu peux supplier le roi parce qu'il te respecte beaucoup. Il te respecte beaucoup et tu es trop attaché à lui. Supplie-le d'élever le staff pour moi, s'il te plaît. Il faut que je voie. Hein? Je ne peux pas être aveugle, non. J'ai besoin de ma vue. Demande-lui d'élever le staff encore. Je vais voir encore, s'il te plaît. Ouais, il a déjà fait. Et la bonne raison du staff a voulu qu'il soit toujours aveugle. Tu dois être aveugle pour beaucoup d'années. Il faut que tu sois seulement aveugle comme ça. Et là, tu es là en train de pleurer. Les dieux ne sont pas méchants comme toi, être humain. Toujours toi. Obé. Obé. Oui, tu sais que tu es mon ami. Amène-le. Amène-le. Bref. Bref. Pars avec lui. Tu dois assumer le fait d'être aveugle pour les prochaines 4 années. Obanti. Obanya. Obunkita. Je suis là. Pars. Mon roi. Tu vas continuer l'expérience de voir les choses. Ici. Et tes jours sous cette terre seront allongés. Ici. Merci beaucoup, votre majesté. Merci de m'avoir permis de me marier avec l'amour de ma vie. Je ne savais pas que ceci arriverait. Mais cela reste quand même la raison de ma joie. Merci. Je t'en prie. Allez, viens là. Te rencontrer était une bénédiction. Et m'aimer est ce qui restaure mon âme. Accepter d'être ma femme est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je t'aimerai aujourd'hui. Je t'aimerai demain. Et je t'aimerai pour toujours. Je t'aime, ma reine. Je t'aime aussi, mon seigneur. Et je t'aimerai pour toujours. Fils. Oui, papa. J'ai décidé de te donner la gestion du compte familial de ce royaume. Quoi? Oh oui. Merci beaucoup, mon roi. Tu n'as pas à être surpris. Tu es un membre de la famille et tu dois profiter de tous les privilèges de la maison. Encore une fois, bienvenue. Merci, merci votre majesté. Père, en tant que le possesseur de l'ancien sceptre du royaume de Umuyte, s'il te plaît, peux-tu nous donner ta parole? Juste un seul baiser. Pourquoi pas? Tu peux embrasser la mariée.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. She didn't know.